Bonjour, bienvenue à cette nouvelle Festi-Rencontre dans le cadre de Festimome. Nous avons la joie d'accueillir Serena Fisso et David Gobitsch pour la nouvelle création au Boirna Les Couleurs du Monde. Serena, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous revoir à Orsay. Après, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a travaillé ensemble autour de deux spectacles. Tout à fait. Et donc là, on vous accueille avec un ciné-concert. Oui. Donc comment vous avez travaillé pour arriver à ce projet de ciné-concert? Alors, ce ciné-concert, en fait, ça a été d'abord une commande de la part du Forum des Images, qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils connaissaient mon travail autour d'une île à l'autre principalement, où j'avais fait une sorte d'éventail de chants du monde, parce qu'ils avaient envie de proposer, au début, il devait y avoir 5 courts-métrages, justement, issus d'origines très diverses. Et ils avaient envie qu'il y ait une voix qui puisse voyager autour des langues. Donc ben, j'ai accepté, moi j'avais jamais fait ça. Donc j'ai accepté avant même de voir les films. Et pour ça, j'ai demandé à David de m'accompagner sur justement l'habillage sonore qu'on allait faire de ces films. Parce que l'idée dans un ciné-concert, c'est évidemment d'enlever toute la bande-son originale et de recréer notre propre version. D'accord. David, c'est la première fois que vous travaillez avec Serena? Alors non, ça fait presque 10 ans, je pense. Peut-être un peu plus. Peut-être même plus. En fait, on a travaillé essentiellement sur du spectacle vivant. Et puis ça fait des années, donc on fait des petites choses ensemble. Et là, c'est vrai que ça tombait un moment super. Déjà, moi, j'avais très envie d'essayer ce format de ciné-concert depuis un moment. Et puis là, en l'occurrence, d'arriver avec Serena, qui a un univers quand même très, très large et parfait pour ça. C'était super d'avoir une occasion d'expérimenter ce format-là, du coup. Donc le choix de faire ce ciné-concert uniquement en indonésien? Alors voilà, quand j'ai vu les films, alors ils sont issus de vraiment d'origines très différentes, Chine, Italie, Russie. Donc en fait, moi, je me suis dit, je fais le travail d'aller chercher à chaque fois dans le répertoire traditionnel de ces pays-là, mais je me disais en même temps, je voudrais parler un petit peu de moi aussi, de ma sensibilité et de comment je lis ces films. Et donc, j'ai décidé de tout faire en indonésien, avec des dialectes différents, parce que je chante du coup en bahasa indonésia, mais aussi en sundanais et en balinais. Donc, c'est 90% du répertoire qu'on utilise là, avec des compositions, mais aussi des chants traditionnels. Et puis, il y a une petite partie, surtout pour le film de la fin, où pendant le mariage, là, on utilise un chant traditionnel de Lapon. Donc voilà, encore une autre langue et un autre univers. Mais c'est vrai que l'indonésien est à l'honneur. D'accord. Et vous avez beaucoup de dates prévues pour ce ciné-concert? Alors, bon, c'est quand même un ciné-concert qui a été commandé par le Forum des Images en février 2019. C'est-à-dire quelques semaines avant la crise sanitaire. Oui, on est tombé pile au moment de... Pile. Donc voilà, c'était un peu compliqué de le tourner. Mais là, il y a eu beaucoup de reports. Et oui, on a une belle... Surtout en région parisienne. Mais on voit que le ciné-concert a son public et ses habitués. Donc, et puis ça nous donne envie certainement d'en faire un deuxième. Ouais. Ah bah super, voilà. Et en plus dans le cadre de Festimome, festival que tu connais, là, oui. On est en plein dedans, donc on a voulu te réaccueillir parce qu'on connaît ton talent et ta qualité de travail. Et, tu as été bien accueillie encore cette fois-ci. Merci pour cette... Oui, d'abord merci pour la fidélité et puis... j'adore revenir ici, alors non seulement parce que, en effet, vous avez toute l'équipe été présente pour plusieurs de mes spectacles, dont la création du dernier, L'échappée belle, mais aussi parce que j'ai grandi ici et que j'étais au lycée Blaise Pascal dans mes années d'études. Donc voilà, c'est à plein de raisons qui font que je suis contente de revenir ici. Et à chaque fois, je suis bien accueillie, donc j'espère que ça va durer. Comme je disais tout à l'heure, tu fais partie des stars. Oui, alors quand tu as dit ça, forcément, ça m'a fait rougir. Qui ont
été dans ce lycée. Il y a Michel Leclerc que tu connais bien, Oui, David qu'on a va travaillé. accueillir bientôt au cinéma avec son nouveau film. Il y a Olivia Assayas, bon, et il y a Tu Serena dis. Fischer. Voilà. Donc on était très heureux de vous accueillir et puis Merci, on Étienne. va se reverra soi-disant certainement au Festival d'Avignon, Oui. certainement une nouvelle fois dans une nouvelle création Tout à à l'espace fait. Jacques Tati à Orsay, et MJC très heureux à chaque fois de Ben, t'accueillir. merci. Merci pour Et cette fidélité et puis ce soutien. Et on puis revient quand vous voulez. bon spectacle pour ceux qui vont voir Warma à 15h, magnifique ciné-concert, on va partir en voyage en Indonésie. C'est vraiment un très très beau ciné-concert. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Festimum, le festival est le plus cool de l'automne.